Bonsoir tout le monde. Encore merci à Anwar pour avoir organisé tout ça en si peu de temps. Et c'était très difficile d'organiser ça en si peu de temps et puis pour trouver tous les gens et tous les résidents qui sont portés volontaires pour parler de leur spécialité. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va parler de l'anesthésie réanimation. Donc, je me présente quand même, docteur Adem Romani, je suis résident en première année d'anesthésie et réanimation à l'EPH Bachir Menturi à Kouba. Et donc, je vais vous parler de, sans être trop subjectif non plus, de la plus belle spécialité du monde. Alors, on va passer par le même menu, le même sommaire que pour les autres spécialités. Donc, la spécialité en trois mots, le classement et les terrains, avantages et inconvénients, la spécialité et le futur. Des conseils si j'étais à votre place, et puis le bonus. Alors, la spécialité en trois mots, j'ai choisi donc trois mots que j'utilise très souvent. D'abord, la polyvalence, la technicité, et puis l'adrénaline. Alors, on va commencer par la polyvalence. Alors, en fait, le médecin anesthésiste réanimateur, il a trois casquettes ou trois petites spécialités. On a d'abord l'anesthésie et la médecine périopératoire. C'est-à-dire qu'on va faire l'anesthésie de toutes les spécialités, de tous les types de chirurgie. Donc, on n'a pas de sous-spécialité. Donc, quand on est anesthésiste, on peut endormir ou on peut, en tout cas, préparer à l'anesthésie n'importe quel patient. Et puis, on gère aussi la médecine périopératoire, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant l'acte chirurgical et après l'acte chirurgical. Ensuite, on fait de la réanimation. Alors, soit de la réanimation chirurgicale pure, donc c'est le post-opératoire, soit de la réanimation polyvalence de pathologies médicales variées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui font des IDM en choc cardiogénique, on peut avoir des AVC hémorragiques, on peut avoir des insuffisances aiguës avec une acidose et une hypercaliémie menaçante, ou alors on peut avoir une décompensation de BPCO avec une hypercapnie à 80, et tout ça, on peut le voir durant la même garde. Donc ça, c'est de la réanimation polyvalente. Et puis on fait également le traitement de la douleur. Alors soit de la douleur aiguë, dans le cadre par exemple des pyélonéphrites ou la colique néphrétique hyperalgique, ou là de la douleur chronique comme pour le patient cancéreux. La consultation de douleur et la Société algérienne d'ailleurs de traitement de la douleur est dirigée et présidée par des anesthésistes réanimateurs. Ensuite, deuxième partie, c'est la technicité. Alors, je pense que l'anesthésie, c'est la spécialité où il y a le plus de gestes qu'il faut maîtriser. Le médecin anesthésiste réanimateur, il est expert en gestion des voies aériennes. C'est son premier domaine d'expertise, d'accord? Donc, quand on appelle le réanimateur OPU, c'est pour la gestion des voies aériennes. Donc, on doit maîtriser toutes les sortes d'intubations, qu'elles soient simples ou qu'elles soient difficiles, avec un simple laryngoscope jusqu'à la fibroscopie bronchique. On doit maîtriser tout type de voie d'abord, qu'elle soit périphérique, centrale, ou là les voies centrales à abord périphérique. Les techniques d'anesthésie loco-régionale, donc ça va aller de la entre guillemets, simple infiltration jusqu'à la péridurale, jusqu'au bloc nerveux périphérique, tout ça on peut le faire. Et puis évidemment, on a tout ce qui est échographie, mais moins spécialisée que chez les radiologues. On ne sera jamais radiologue et on ne sera jamais cardiologue. On fera l'échographie cardiaque d'urgence pour une simple évaluation hémodynamique. On fera l'échographie pulmonaire d'urgence à la recherche de signes d'OAP, donc des lignes B. Et on fait également la fast écho à la recherche d'une urgence abdominale, d'un épanchement au niveau abdominal. Donc la formation du médecin anesthésiste, je crois que j'ai oublié de parler de l'adrénaline. Donc pour l'adrénaline, c'est évidemment tout ce qui est urgence. Donc on voit le pronostic vital qui est engagé, on voit les arrêts cardiaques au PU, on nous appelle aussi pour les arrêts respiratoires, pour le polytraumatisé. Donc vous avez votre dose d'adrénaline durant la garde. Donc pour la formation du médecin anesthésiste réanimateur, elle va se faire en 4 ans. Pour la première année, vous allez voir la physiologie comme celle qu'on a vue en deuxième année, la pharmacologie comme celle qu'on a vue en troisième année, les bases de l'anesthésie et puis les urgences médicales comme celles qu'on a vues en sixième année. Ensuite, à partir de la deuxième année, vous allez plus vous spécialiser. Il y aura des cours sur la réanimation cardio-pulmonaire, la réanimation hématologique, troubles de l'hémostase, et la réanimation digestive, tout ce qui est pancréatite, occlusion, etc. Et puis, on verra l'anesthésie selon le terrain du patient, donc chez le cardiopathe, chez l'insuffisant rénal, chez le myasthénique, etc.
En troisième année, on verra les terrains particuliers, donc la neuroréanimation, l'obstétrique, la médecine réopératoire en général, la consultation pré-anesthésie, la préparation à l'anesthésie, la nutrition en réanimation. Et puis l'anesthésie selon le type de chirurgie. Donc chaque type de chirurgie a un certain protocole anesthésique qu'il faut suivre et donc ça va être étudié en troisième année. Et puis en quatrième année, on verra tout ce qui est réanimation métabolique, la toxicologie, donc les intoxications aux différents types de médicaments et aux différents types de drogues, et puis la réanimation infectiologique qui va aller du simple tétanos jusqu'au sepsis. Alors deuxièmement, pour le classement et les terrains, donc faut savoir que l'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité de 4 ans, qui est en fait composée de 3 ans d'anesthésie et d'une année d'UMC ou de réanimation. Les 3 ans d'anesthésie doivent comporter, en théorie, de la chirurgie viscérale, obstétrique, de la neurochirurgie et de la chirurgie infantile. Donc normalement, tout médecin anesthésiste réanimateur jusqu'au jour de son DEMS, il doit avoir fait les spécialités. L'année de réa doit se faire et elle peut se faire peu importe l'année en question. Donc vous pouvez faire votre année de réa en première année comme vous pouvez la faire en quatrième année. La plupart des terrains sont disponibles très aisément pour le concours de résidanat. Donc cette année, c'est resté disponible normalement jusqu'à 1060. Et c'est-à-dire qu'on ne voit pas de recul de fin de classement. L'anesthésie réa va rester jusqu'à la fin. Ce qu'on voit, c'est plutôt une avancée de début de classement. C'est-à-dire que c'est le premier qui choisit l'anesthésie réa augmente d'année en année. Cette année, les trois premiers étaient classés 38, du coup c'était moi, ensuite 60 et ensuite 72. Donc ça va, on a eu trois places dans le top 100. Les différents terrains qu'on a, j'ai préféré les diviser selon la région d'Alger. Donc vous avez les terrains d'Alger Centre, UMC Mus, UMC Bab Oued, et puis les terrains d'anesthésie, donc anesthésie Mus, anesthésie Oued, anesthésie Parné et CPMC. Pour Alger Est, vous avez anesthésie HCA Kouba Zmirli. Et puis vous avez le terrain du UMC HCA qui est en pleine réforme, et donc on ne sait pas s'il sera vraiment disponible l'an prochain ou pas. Pour Alger Ouest, vous avez les UMC Blimsous. Et puis pour les terrains anesthésiques, vous avez anesthésie Blimsous, CMS, Bynem et HMUS. Je vous ai mis ici les différentes unités qui sont disponibles dans chaque terrain. Je ne vais pas les citer un par un, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous prévoyez de choisir un terrain d'anesthésie-réanimation durant vos 4 années, ce sera soit Mustapha, soit HCR, parce que c'est les seuls terrains où vous allez trouver toutes les unités qui sont disponibles, donc vous pouvez y rester les 4 ans. Donc, troisièmement, avantages et inconvénients, je voulais y arriver. Alors pour les avantages, c'est qu'on a peu de contact avec le patient. Alors quand je dis peu de contact, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas de patient. C'est juste qu'on voit très peu. On voit notre patient, en anesthésie en tout cas, durant la consultation pré-anesthésique où on doit faire une anamnèse complète, on doit chercher les comorbidités du patient, son traitement actuel, et on doit lui expliquer l'acte chirurgical, l'acte anesthésique et puis les complications possibles en post-opératoire. Donc ça, c'est une partie qui est très importante et qui est une partie intégrante de notre pratique. En péropératoire ou durant l'urgence, très peu de contact avec le patient. Et puis, en réanimation, ben pas trop. On voit pas trop de patients en réanimation. La plupart ont un pronostic vital qui est d'emblée engagé. La plupart du temps, ils sont intubés, ventilés, sédatés. Donc très peu de contact avec le patient conscient. Mais vous avez un contact avec le patient inconscient, vous devez le prendre en charge. Et c'est votre responsabilité qu'il sorte conscient de votre réanimation. Le but de l'anesthésiste réanimateur, comme je dis souvent, c'est pas d'apprendre à intuber, mais c'est d'apprendre à extuber un patient, surtout en réanimation. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de paperasse, vous n'avez pas de dossier, vous n'avez pas de visite, vous n'avez pas de fiche. Les seuls trucs qu'on remplit, c'est la fiche d'anesthésie en péropératoire et le dossier de réanimation qui est beaucoup, 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 beaucoup plus court que celui de nos amis et confrères internistes. Non, on n'a pas de hiérarchie en anesthésie réa. On discute tous de manière collégiale, du prof jusqu'au résident de première année. Chacun peut donner son avis librement, chacun peut présenter des articles qu'il a lus, et on prend souvent l'avis de tout le monde et on va choisir l'avis qui a le plus de preuves scientifiques ou théoriques pour prendre en charge nos patients. L'autonomisation est rapide en première année, c'est-à-dire que le résident de première année
Quand le jour où il passera son examen de première année, il saura faire une anesthésie générale complète, il saura faire une anesthésie loco-régionale de base, donc une rachianesthésie, et il saura faire une consultation pré-anesthésique, et il saura prendre en charge les urgences de base qu'on a vues en sixième année. Donc le résident de première année est autonome et il peut être laissé seul au bloc opératoire sans grosse supervision. C'est une spécialité pour moi qui va compléter les 7 ans de médecine, un petit peu comme a dit Ayo pour la radio. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez plonger dans un nouvel univers que vous n'avez complètement jamais vu. Vous allez découvrir la ventilation artificielle, vous allez découvrir les drogues d'anesthésie, leur pharmacologie. Vous allez découvrir de nouveaux gestes que vous n'avez même pas soupçonné l'existence. Donc c'est vraiment une suite logique de votre parcours des 7 ans. C'est une spécialité qui est polyvalente et en plein essor. On découvre chaque jour de nouvelles molécules, de nouvelles drogues, de nouveaux blocs périphériques pour éviter l'anesthésie générale. Et on développe également de nouveaux protocoles pour la gestion des voies aériennes, pour la sécurité de notre patient. Les journées sont relativement chill en anesthésie. On commence en général le début du bloc opératoire, c'est à 7h30, 8h. Et puis après l'induction, c'est-à-dire après avoir endormi notre patient, on n'a pas grand-chose à faire. La surveillance est assez sommaire, surtout pour quelqu'un qui est habitué. Peut-être que pour le résident de première année, sa première semaine, ça va paraître un petit peu overwhelming, mais au final, c'est relativement chill. Vous êtes assis, vous remplissez votre fiche, et puis s'il y a une complication, vous la gérez. Et c'est tout, on finit notre journée selon la fin du programme opératoire, mais ça oscille entre 14h et 18h. Il y a une très bonne rémunération au privé. Alors, la rémunération libérale va dépendre de l'acte anesthésique qui a été effectué ou alors du service dans lequel vous avez choisi de faire votre garde. Donc, les gardes en réanimation cardiaque, par exemple, vont être rémunérées 2 voire 3 fois plus qu'une garde en réanimation chirurgicale simple. Quand vous faites une anesthésie générale chez un terrain compliqué, ça va être rémunéré beaucoup plus qu'une simple rachianesthésie chez une femme enceinte qui n'a pas d'antécédent. Donc, ça va dépendre de votre expertise, ça va dépend de votre acte anesthésique et ça va dépendre du service dans lequel vous allez faire votre garde. Et puis évidemment, c'est un tremplin pour l'étranger. L'anesthésie et réanimation en France, il y a toujours énormément de postes de PAE qui sont ouverts chaque année. Aux États-Unis, c'est parmi les spécialités les plus compétitives, les mieux rémunérées, and with the best work-life balance. Après, est-ce que c'est mieux ailleurs? Peut-être. Pourquoi peut-être? Ben, c'est surtout à cause des inconvénients que je vais citer un petit peu plus tard. Donc déjà, en anesthésie, c'est une spécialité à garde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service d'anesthésie où il n'y a pas de garde. Le réanimateur doit travailler dans l'urgence et il doit savoir gérer l'urgence à n'importe quelle heure et il doit pouvoir sauver une vie à n'importe quelle heure, que ce soit une simple urgence type, enfin une simple urgence entre guillemets, mais une simple urgence type arrêt cardio-circulatoire où on va simplement venir gérer les voies aériennes et puis on va participer à la réanimation. Ou alors, une césarienne se faire en urgence, et là, vous aurez sauvé 2 vies au lieu d'une seule. On n'a pas de reconnaissance par le patient, c'est-à-dire que le patient, quand il va sortir du bloc opératoire, il va remercier le chirurgien. Il ne va pas remercier le médecin anesthésiste réanimateur. Même si la sécurité du patient, la physiologie du patient et même le déroulement de la chirurgie n'auraient pas été possibles sans le médecin anesthésiste réanimateur, mais toute la reconnaissance va aller vers le chirurgien. Alors ça peut en déranger certains, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément un inconvénient vu que l'essentiel, il fait son travail et puis l'essentiel, il sait que le patient a eu la meilleure prise en charge possible. Alors le monitorage n'est pas toujours disponible, le matériel est parfois daté. Vous allez aller dans certains services à Alger où les respirateurs peuvent dater du début des années 2000, avec la marque Dräger. Vous pouvez trouver des dragueurs, il y a un seul mode ventilatoire, genre soit le patient respire avec la machine, soit sans la machine, mais il n'y a pas d'entre les deux. Vous allez voir scope, la SpO2 Mettenchich, vous allez voir des pastilles de CG, il y a une dérivation sur deux qui marche. Les nouveaux monitorages qui doivent être obligatoires au bloc opératoire, qui est le monitorage de la curarisation ou de la profondeur de l'anesthésie, sauf à Cuba et au CPMC ou Mindakar-HCA. Donc, si vous cherchez de la technologie, il faut bien choisir vos terrains parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Il y a peu de possibilités d'installation libérale. Alors, pour travailler en libéral, vous avez en gros 2 choix. Soit travailler en clinique privée comme vacataire, soit vous installer
en cabinet pour faire des urgences médicales, ou là faire une consultation de consultation pré-anesthésie, ou là faire de l'exploration cardiovasculaire simple. Comme je vous disais, on ne sera jamais cardiologue, mais on peut faire de l'évaluation cardiovasculaire simple. La théorie est lourde, mais pas en première année. Alors pour les cours de première année, Makhachbezev, elle a uniquement, entre guillemets, 22 cours hypertombables et 34 cours en tout. Mais plus on avance les 4 ans, plus les cours vont devenir longs, difficiles et détaillés. Le pronostic vital est souvent sombre en réanimation. Je peux vous dire qu'un patient sur deux qui rentre en réanimation en Algérie va finir par décéder. Donc ça pourrait en démoraliser certains, ça pourrait engendrer des dépressions chez d'autres. Il y en a qui ont démissionné juste pour ça. Après, ça fait partie de la spécialité. On ne peut pas sauver tout le monde malheureusement, et puis on fait avec les moyens qu'on a. Il y aura toujours un certain conflit entre les chirurgiens et le médecin esthétiste réanimateur. Pas tous les types, pas toutes les types de chirurgie, heureusement d'ailleurs, mais il y a toujours ce conflit où le chirurgien pose une indication sans pour autant chercher après les antécédents, les comorbidités du patient, ou alors où le médecin anesthésiste annule une opération juste par peur ou par crainte des complications, alors qu'il n'y a pas forcément d'indication à annuler l'intervention. Donc au final, je dirais que le conflit existe, mais la responsabilité est partagée. Autant les chirurgiens peuvent être, disons, orgueilleux, mais autant le médecin anesthésiste réanimateur ne voit pas l'urgence de la chose, ou alors la peur va l'emporter sur l'indication chirurgicale proprement dite. La formation chez nous dépend des résidents majeurs plus que des hôpitaux universitaires. En fait, la formation en anesthésie et réanimation, c'est de la formation dite par compagnonnage. C'est-à-dire que et puis vous allez appliquer. Il faut qu'il y ait un superviseur qui soit proche de vous tout le temps. L'assistant, là, le maître assistant, maouch daimen ma'akoum au bloc. C'est exceptionnel. Mais le résident majeur, il est toujours là, il va vous donner des conseils, il va vous apprendre les gestes, les astuces. Alors, qui m'a une vidéo pour rachis anesthésie sur YouTube qui est expliquée par les plus grands experts avec des modèles 3D et tout. Mais le jour où vous serez en face du rachis du malade, ce sera toute autre histoire. Donc, si à part d'un commun résident majeur qui est expérimenté, qui est dévoué et qui est pédagogue, votre formation va en pâtir, même si vous êtes dans le meilleur terrain d'anesthésie réa qui existe. Et puis, une question qui se pose, c'est la place des AMAR dans l'avenir. Alors, l'AMAR, c'est l'assistant médical en anesthésie et réanimation. Donc, c'est un paramédical qui travaille avec nous au bloc opératoire et dont la place tend à devenir beaucoup plus importante dans l'avenir, notamment pour la gestion des patients qui sont simples, qu'on dit ASA1. Après, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, mais au final, si les AMAR prennent les patients simples, ça laissera plus de place aux médecins anesthésistes réanimateurs pour prendre en charge vraiment les patients lourds qui nécessitent réellement l'action du médecin. Alors, la spécialité et le futur, on va parler des débouchés, des perspectives d'avenir. Alors, pour l'hôpital universitaire, donc vous pouvez passer par toutes les étapes, la maîtrise. Puis la soutenance de thèse pour devenir maître de conférence B, puis le concours de MCA, puis le professorat. Les postes sont disponibles moins à Alger, plus dans l'intérieur du pays, mais les postes sont disponibles. C'est-à-dire que si vous passez le concours, forcément vous aurez un poste quelque part, mais peut-être pas à Alger. La santé publique, les postes sont beaucoup plus rares. Il n'y a pas vraiment de poste d'assistant en santé publique. Je parle d'Alger, je ne sais pas pour l'intérieur du pays. Le libéral, les postes de titulaires en clinique privée sont exceptionnels. Les titulaires ont déjà été choisis depuis très longtemps et ils vont probablement pas les changer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des vacations en libéral, mais pour devenir titulaire dans une clinique privée, c'est quasiment mission impossible. Et c'est réputation dépendante. C'est-à-dire que si on connaît un assistant ou un maître assistant qui maîtrise par exemple la chirurgie infantile comme personne d'autre, qui a fait des preuves, dont le taux de mortalité est très très bas, dont le taux de morbidité est très très bas, ben, le directeur de la clinique privée pourrait vous contacter pour un éventuel partenariat. L'installation en cabinet est possible, donc comme je vous ai dit, c'est soit un cabinet d'UMC, soit des explorations cardiovasculaires, soit simplement une consultation pré-anesthésique.
Alors pour l'étranger, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de postes de PAE, la demande est croissante, notamment en Allemagne et aux USA. Donc, if I were you, j'ai décidé de vous parler des préjugés et des réalités concernant nos spécialités. Alors, première chose, c'est le médecin anesthésiste réanimateur joue à Candy Crush au bloc opératoire. Alors, parfois, c'est vrai, c'est-à-dire que dans les chirurgies qui vont durer 5 heures, où le patient est stable sur le plan hémodynamique, c'est un ASA1 qui est en train de subir une chirurgie de l'oreille, par exemple, ben, finalement, on n'a pas grand-chose à faire. On joue à Candy Crush. Mais le souci, c'est que c'est pas tout le monde qui a la capacité et surtout qui a le privilège de pouvoir jouer à Candy Crush au bloc opératoire. Parce que si vous voyez un médecin anesthésiste qui n'est pas concentré sur l'intervention, ça veut dire qu'il anticipe déjà les complications et qu'il sait que peu importe la complication qui va survenir, il va savoir la gérer. Et ça qu'on nous apprend surtout en première année, c'est un, de reconnaître rapidement une complication, et de deux, l'anticiper, et de trois, savoir la gérer. C'est-à-dire que moi, quand je suis au bloc, il y a une appendicite. Je sais qu'est-ce qui risque d'arriver. Je sais que le patient risque de désaturer. Si le patient désature, je sais ce que je dois faire. Et donc, je peux me permettre de jouer au téléphone et puis de jeter un œnoscope et voir si une complication arrive ou pas. Le médecin anesthésiste réanimateur ne dort jamais pendant la garde. Ça, c'est un gros préjugé. Là, ça va dépendre de l'hôpital où on a comme dit votre résident. Alors, moi, j'ai eu des gardes où je n'ai rien fait pendant 24 heures. On a dormi la nuit à 23 h et on s'est réveillé à 8 h du matin. Mais il y a aussi des gardes où on n'a pas dormi du tout. On n'a pas posé, on n'a pas posé notre tête sur un oreiller. Le médecin anesthésiste réanimateur est condamné à l'hôpital. C'est un préjugé. D'ailleurs, l'activité en libéral en Algérie, je crois qu'elle est supérieure à l'activité hospitalo-universitaire. Il y a toujours un manque d'effectifs à l'hôpital. L'anesthésie, c'est la spécialité de l'étranger. Alors là, c'est la réalité. C'est la réalité parce qu'à l'étranger, elle est demandée. À l'étranger, il y a des perspectives d'évolution, notamment en matière de monitorage. Et puis, pour tous les inconvénients que je vous ai cités, notamment sur le plan financier, c'est-à-dire que on n'a pas un bon ratio effort-rémunération. Aux États-Unis, par exemple, c'est parmi les spécialités les mieux rémunérées avec la neurochirurgie, la chirurgie plastique et la chirurgie orthopédique. Et la dermatologie du coup, et nous on est juste en dessous. Donc on n'a pas un très bon rapport effort-rémunération, donc pour tous les efforts qu'on fournit, pour les risques qu'on prend, pour le pronostic vital qui est engagé, être rémunéré de la même façon qu'une spécialité médicale pure où il n'y a pas d'urgence, c'est peut-être un petit peu injuste. Donc l'anesthésie c'est juste endormir les patients, alors oui c'est une réalité. Mais endormir un patient de 20 ans sans antécédent pour une appendicite, c'est pas pareil qu'endormir un patient de 65 ans, coronarien, insuffisant rénal chronique au stade de dialyse. C'est-à-dire que oui, c'est endormir, mais c'est aussi prendre en compte tout le du patient, prendre en compte les complications, prendre en compte la ventilation, et puis on a aussi évidemment l'anesthésie loco-régionale parce que au final, l'avenir de l'anesthésie, c'est essayer de traverser cette intervention chirurgicale sans endormir le patient, juste en anesthésiant l'avion à opérer. Et donc, il y a plus en plus de possibilités d'anesthésie loco-régionale pour tout type de chirurgie. Et enfin, l'anesthésie réanimation, c'est chargé. Alors, c'est un préjugé, c'est pas chargé. La pratique pendant la journée n'est pas très chargé, c'est assez chill, mais les gardes sont extrêmement chargés, en tout cas dans certains terrains de formation. Et puis, plus vous avancez dans votre carrière, forcément la charge va diminuer, parce que c'est en anesthésie réanimation, c'est le résident qui travaille, et c'est le résident majeur qui gère la garde, et puis c'est l'assistant qu'on appelle en cas de problème. Donc pour les bonus et le conseil, donc j'en avais deux. Je voulais vous dire, faites ce que vous aimez et pas ce que les gens aimeraient que vous fassiez. Forcément, la spécialité, c'est votre avenir. Donc, c'est vous qui allez vous réveiller chaque matin pour aller au service et travailler. C'est vous qui allez passer peut-être les 30 prochaines années dans cette spécialité. Donc, faut faire ce que vous aimez vous et pas forcément ce que vous fassiez. Et ça, peu importe votre classement. Et puis le deuxième conseil que je voulais vous donner, qui est très important parce que je vois cette phrase qui revient souvent,
on ne se classe pas bien pour pouvoir choisir une spécialité, mais on se classe bien pour pouvoir choisir n'importe quelle spécialité. Il n'y a pas de spécialité des bien classés et de spécialité des moins bien classés. Moi, si je savais que je voulais faire anesthésie réa depuis ma sixième année, j'ai forcément négligé mon classement au concours de résident. Alors, je me suis classé pour avoir tous les choix devant moi, et puis je choisirai celle qui me plaît. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est classé dans le top 100 qui devra choisir, entre guillemets, les spécialités des bien classés. Et ça, c'est aussi un conseil que je voulais vous donner. Alors, je terminerai par cette phrase. I'm an anesthesiologist, and what's your superpower? Ça, c'était une phrase qu'un de mes résidents m'avait dite dès mon premier jour à Cuba. C'est Dr. Selmi à qui je passe un coucou, même s'il n'est pas là. Et il m'a dit, quand il était à Azmirli, quand le médecin anesthésiste réanimateur arrivait aux urgences, tout le monde s'écarte pour le laisser travailler. Et donc, c'est un petit peu un super pouvoir de savoir tout maîtriser, la physio, la physiopathe, la gestion des voies aériennes, la douleur, n'importe quelle urgence. Comme ça, le médecin anesthésiste réanimateur, rien ne lui fait peur et il n'a pas besoin forcément de quelqu'un d'autre pour prendre en charge un patient dans sa globalité. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, madame Milford. Alors, pourquoi la réa est considérée comme une spécialité lifestyle aux États-Unis, contrairement à ici? Alors, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, me cache le côté réanimation. Le médecin anesthésiste réanimateur aux États-Unis, he's an anesthesiologist. Mais en gros, il va s'occuper que du bloc opératoire et de la médecine périopératoire. Mais un douche le côté réanimation. Ensuite, Mehdim Shkoulioum, aux États-Unis, a forcément des journées libres, et puis il est très très bien payé. C'est ma lifestyle fera. Donc c'est pour ça que là, c'est pas forcément la même chose qu'ici. Que pensez-vous en ce qui concerne l'ouverture de la spécialité de médecine d'urgence? Est-ce que ça peut avoir un effet sur la charge des gardes? Alors là, on attend avec impatience l'ouverture de la spécialité médecine d'urgence. Pourquoi? Parce que en tant que médecin anesthésiste et réanimateur, on est souvent appelé au PU pour gérer des urgences médicales. Alors que ce n'est pas vraiment notre domaine d'expertise. Notre domaine d'expertise, un athlète. Le premier, c'est la gestion des voies aériennes. La deuxième, c'est la sédation et l'anesthésie générale. Et la troisième, c'est l'anesthésie loco-régionale. Dans le Canada, on a un domaine d'expertise par rapport à d'autres spécialités. C'est mal les urgences médicales, la prise en charge de l'arrêt cardiaque, la prise en charge de l'état de choc, c'est l'arrêt à med, c'est le médecin urgentiste, c'est le médecin généraliste. Et du coup, nous, on est parfois appelés pour gérer ce genre de patients, alors que ce n'est pas forcément notre domaine. Du coup, qui dit la médecine d'urgence, ça va diminuer un petit peu notre charge de travail et en même temps, ça va nous laisser plus de temps pour nous perfectionner en anesthésie et au bloc opératoire. Maintenant, on a vraiment besoin que tu aies la spécialité, puis je t'en prie, la charge des UMC. Alors, êtes-vous triste de ne pas communiquer avec le patient? Alors, le peu de communication à le patient me suffit. Alors, une chauffe-eau pendant la consultation pré-anesthésique, une chauffe-eau pendant la visite préopératoire, une chauffe-eau juste avant l'acte anesthésique ou une chauffe-eau qui inode. Et je pense que c'est suffisant. J'ai pas besoin non plus de discuter avec le patient pendant genre 30-40 minutes. J'ai pas besoin de le suivre pendant des années. Ce qui est bien, Adna, c'est que contrairement à ce qu'a dit par exemple le docteur Salier pour la neurologie, nos patients, c'est pas des patients projet. On a un patient qu'on va recevoir au bloc opératoire et puis on le reverra plus du tout. Donc peu importe ce qui se passe, on va voir avec le patient et on va de lui, on l'emmène pas à la maison, on va pas repenser à lui, sauf si bien sûr, ça sera une complication. Donc, je communique avec les patients très peu et ça me suffit personnellement. Y a-t-il une opportunité d'emploi à l'étranger? Êtes-vous déterminé à y travailler? Alors oui, il y a une opportunité d'emploi à l'étranger, que ce soit en France, en Allemagne ou là aux USA. Surtout les postes de PAE, ils sont très disponibles. Est-ce que j'y suis déterminé? C'est pas dans mes projets actuels. Si vous pouviez remonter le temps, choisirez-vous la même spécialité sans hésiter? Alors, sans hésiter. Comme maintenant, je voulais pas faire une spécialité qui touchait à un seul organe. Je voulais être polyvalent. Je voulais pas faire de chronique. Je n'aimais pas suivre les patients sous corticothérapie pendant 5 ans. Et je voulais travailler avec mes mains et ma tête. Et donc, c'était la seule spécialité qui répondait à ces trois critères. La réa paraît déprimante en Algérie par manque de beaucoup de moyens. Ouais, par limitation de formation, est-ce que ça va faire malgré ça? Ben écoute, si tu parles de réa, oui, mais
Ma cage, c'est le matériel. Si tu parles d'anesthésie, c'est un peu plus présent. Tu as beaucoup plus de matériel en anesthésie. Le bloc opératoire en Algérie, il est assez bien codifié, même si le monitorage de base qui met la capno, la curarisation, ma cage, mais au moins tu peux faire ton travail correctement tout en assurant la sécurité du patient. Peut-être pour la réa, ça pourrait poser problème, ma cage cathé centrale, ma cage défibrillateur, ma cage écho. Mais là, en anesthésie, vu que 80% de ton travail sera de l'anesthésie, moi, je pense que c'est pas un gros souci. Ça va être le problème des réamèdes, du coup. Et pour quelqu'un qui aime la réanesthésie, mais pas trop côté rester au bloc, est-ce que vous pensez que c'est un obstacle? Si tu n'aimes pas rester au bloc, il faut faire de la réanimation médicale. Adam Akan. Il y a toujours un moyen de travailler en réanimation médicale sans être anesthésie. Alors, tu as le choix. Alors, quelles sont les différences entre l'anesthésie réa et la réamed? Alors, l'anesthésiste réanimateur, c'est 80% de bloc opératoire et 20% de réanimation polyvalente, c'est-à-dire de la réanimation chirurgicale ou l'aide des urgences proprement dites. On a des urgences métaboliques, des détresses respiratoires, détresse neurologique et détresse circulatoire. Le réanimateur médical, c'est la médecine interne de l'unité de soins intensifs. C'est-à-dire que l'arythmie des patients qui sont dans un état critique très longtemps. Peut-être que ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 ans. D'accord? Donc le Réamed, c'est le médecin interniste, mais de l'unité de soins intensifs. Là, on gère que l'urgence et que les détresses vitales. Et puis le Réamed, il ne fait pas d'anesthésie, mais il trouve du tout le bloc, c'est pas du tout dans sa formation. Il va faire après, 6 semaines de bloc opératoire pour apprendre les doses, les drogues d'induction et l'intubation programmée difficile. Mais à part ça, il garde le bloc opératoire. Est-ce que l'anesthésiste réanimateur travaille aux urgences ou voulait juste bloc plus service? Il travaille aux urgences, mais il n'est pas affecté aux urgences. Il y a des postes d'anesthésie réanimation aux UMC, mais ça c'est surtout pour gérer l'urgence chirurgicale, mais c'est pour gérer l'urgence médicale. Sinon, notre travail, c'est 80% de bloc opératoire et 20% de réanimation. On dit souvent que la réa chargée BZEF. Est-ce que c'est vrai? Et life balance, Kaina ou non? Alors, comme c'est chargé les gardes, la journée pas trop, ou du moins ça va dépendre de votre hôpital. D'accord? Notre jour qui est le bloc, autre là ce qui classe le bloc. Alors, on n'a pas de charge Agda qui on n'a pas beaucoup de patients Agda à avoir. Bah, le PU les rahomamarisnafik, on n'a pas tout ça. On est au bloc opératoire, on est au calme, et puis c'est tout, on est entre médecins, quoi. Vu le pronostic sombre, comment gérer cet aspect psychologique? C'est très bonne question, parce que on côtoie la mort tous les jours. Peut-être pas tant au bloc opératoire qu'en réanimation, mais en réanimation, on côtoie la mort tous les jours. On voit des patients qui sont rentrés conscients, mais qui partent malheureusement décédés. On a eu des patients déjà pour un sepsis et puis ils sont décédés 2 heures ou 3 heures plus tard, d'accord? Donc on est confronté à la mort. Le problème, c'est que la réa, contrairement par exemple au PU où il dit qu'un patient il décède, salam alaikum, en réanimation, c'est que le patient il dit, et puis il dit dans un état conscient, mais dans un état critique, on est obligé de le sédater pour l'intuber. Et puis, dans certains cas, on sait que avec la sédation, il va jamais se réveiller. Et ça, c'est très problématique d'engendrer avec un coma artificiel quand vous savez que le patient ne va jamais se réveiller avec le coma et qu'il va forcément décéder dans les heures qui suivent. Après, bon, quand vous le faites les 3, 4, 5 premières fois, ça peut paraître difficile, mais j'imagine qu'après, on s'y fait. Si tu devais refaire le choix, est-ce que trahir l'anesthésie réa ou autre chose? Ce que je peux te dire, vu que c'est toi qui poses la question, ce que je peux te dire, c'est que l'hésitation aurait été la même avec les autres spécialités qui me plaisent. Il y a la cardio, la neuro et l'ORL, l'hésitation aurait été la même. Mais oui, j'aurais rechoisi la même chose. Le stéréotype stress et le retentissement sur la vie professionnelle et personnelle. Alors que personnellement, je suis pas très 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 stressé, pas plus qu'avant. Ben, la kikoun interne, j'étais beaucoup plus stressé que ça.
Surtout que K-12, le rythme et K-12, le khidma ta'ak. Alors, tu sais, le matin, عندك le programme la veille, tu sais où je rach, tu sais, عندك une hystérectomie, une cure de prolapsus, عندك trois césariennes, et tu sais comment tu vas faire l'anesthésie de les malades, tu as vu la fiche d'après anesthésique le bas, tu sais, ta journée, elle est déjà programmée à l'avance. Un bel coup, on a bel qu'au cas où il y a une complication, on a bel qu'on a dit que la complication dite compliquée, tous les protocoles, tu les connais, tu n'as pas peur de l'inconnu, on a bel tout ce que tu dois faire durant ta journée. Contrairement, par exemple, à un médecin qui est de garde au PU, il sait jamais ce qui va venir à l'avance. Là, en anesthésie, on sait ce qui vient. Flagarde, peut-être pas, on ne sait pas ce qui arrive. Mais au final, c'est très protocolisé. Même nos urgences, genre bain, ce qu'on doit faire, qui dit qu'une détresse, ABCDE pour tout le monde. C'est même pas très très stressant au final. Déboucher pour service public en Algérie, a-t-il des inconvénients? Bof. Perso, pour l'anesthésie, je conseille de rester au public le plus longtemps possible. Parce qu'au public, il y a des opportunités de recherche. Au public, il y a des opportunités de voir des chirurgies qui sont exceptionnelles, réalisées par des chirurgiens qui sont exceptionnels. Vous allez assister à des chirurgies qui sont particulièrement intéressantes à regarder, que ce soit la laparoscopie, que ce soit la chirurgie cardiaque sous CEC, que ce soit la neurochirurgie chez un patient éveillé, que ce soit la transplantation hépatique, la transplantation rénale. Adoga, vous y êtes. Et vous participez à la prise en charge du patient et vous côtoyez des chirurgiens qui sont experts dans leur domaine. Et ça, c'est une grande chance pour le médecin esthéticien animateur. Après, pour le privé, ce sera plus pour du lucratif ou là pour une khidmatakulium, en gros l'appendicite ou la césarienne. Y a-t-il des postes pour le réanimateur en urgence uniquement? Kayin, les services que j'ai cités, Tima Mustapha ou Bnimsous ou Bablouad, il y a des postes aux UMC. Après, je trouve que voilà, khsara parce que l'anesthésie c'est le bloc opératoire. Si on travaille aux urgences, whatever. Est-ce que c'est une spécialité ou on dépend des autres? Alors c'est ta, yani c'est ta patientèle qui dépend des autres. Vu que je suis patientèle, tu peux pas recruter un patient pour une anesthésie. Donc oui, tant que la chirurgie ne travaille pas, tu ne travailles pas. Safe, quand la chirurgie a arrêté de travailler, on s'est arrêté de travailler simplement. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu d'activité au bloc opératoire. Donc, ça peut être une mauvaise chose. Pour moi, c'était une bonne chose. Moi, mais oui, donc ton travail, ta patientèle dépend du chirurgien. Mais ton travail, une fois que le patient est là, ne dépend que de toi. C'est toi qui vas choisir la technique physique. C'est toi qui vas choisir Aslan le patient est Tinder ou pas, c'est toi qui vas le programmer Sbah ou Lalachia, c'est toi qui va t'occuper de la prise en charge en post-opératoire. Donc au final, le chirurgien n'a pas le droit de te dire Lala Hadadir lo AG, Lala Hadadir lo Rachi, Lala Hadadir lo Péri. C'est toi qui décides et il a genre, aucune influence sur tes choix. Combien de gardes par semaine et combien de gardes par mois? Alors, en général, n'importe quel résident, peu importe sa spécialité, sur le plan administratif, il est censé faire 5 gardes par mois. Alors, là, en anesthésie, on en fait 5 à 6 par mois. 5 à 6 gardes par mois. Ça va dépendre de l'hôpital, ça va dépendre du service, ça va dépendre de plein de choses. Mais en gros, c'est 5 à 6 gardes par mois dont la charge peut varier. Les gardes week-end sont généralement plus chargés que les gardes de semaine. Bien sûr, comme la post-garde, comme récupération. Et à certains terrains, Kima HCA, Kima UMC, Bnimsous, qui vous donnent également l'après-garde. C'est ma dje, ou la garde ta acte d'arba, dje avec nhar arba ta la chia. Et le lendemain, tu m'as dit, 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 tu m'as dit. Donc, voilà. L'area médicale ne prend pas en charge les urgences. Peut-être pas en Algérie. En Algérie, la réa médicale, c'est un service fermé. C'est un service de chronique et c'est un service d'exploration du malade en unité de soins intensifs, ou là, comme j'aime l'appeler, l'unité de soins continus intensifs. Là, ouais, ils font pas d'urgence. Non, c'est nous qui prenons en charge les détresses vitales. Sur le côté médico-légal, il faut savoir que l'anesthésie, la spécialité pour la sécurité du patient. Genre, la spécialité a été créée pour un but principal, les roues à la sécurité du patient en bloc
Le taux de mortalité directe liée à l'anesthésie est de 4, 4 incidents, enfin, accidents mortels pour 100 000 interventions. Et c'est la statistique la plus basse qui existe pour n'importe quelle spécialité médicale ou chirurgicale. Donc, on a le moins de morbi-mortalité la spécialité TANA. Pourquoi? Parce que notre spécialité is built on la sécurité du patient. On a tous les protocoles nécessaires, que ce soit pour la gestion des complications péropératoires, que ce soit pour la gestion des voies aériennes difficiles, et peu importe leurs difficultés, on doit savoir les gérer. Et on apprend ça dès la première année. J'ai un résident en quatrième année. Je vous dis tout de suite, un résident de deuxième année, sauf exception majeure, qui ne sait pas gérer la majorité des urgences, ou là des complications en péropératoire et en post-opératoire. On nous apprend ça dès le début. Donc le côté médico-légal maintenant, je vous dis tout de suite, à part la ventilation impossible chez un patient avec une intubation impossible, qui va décéder sur table, ou là une hyperthermie maligne, ou là une intoxication aux anesthésiques locaux, je pense que we are safe sur le côté médico-légal. En réanimation, c'est encore plus simple parce que le patient est en réanimation d'emblée un pronostic qui est engagé, un pronostic qui est très très mauvais. C'est très très difficile de vous tenir responsable du décès d'un patient en étant en réanimation. Sur le côté médico-légal, ça va. Pendant les gardes, vous gérez le bloc d'urgence et les urgences médicales. Alors oui, à Cuba, vu qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de service d'UMC, c'est l'équipe donc d'anesthésie et réanimation qui gère le bloc d'urgence, la viscérale, l'ORL et l'obstétrique surtout, et qui gère aussi ce qui se passe, le PU. Donc on nous appelle en cas d'arrêt cardio-respiratoire, d'état de choc, de BPCO décompensé, de sepsis sévère, on dit plus sepsis sévère du coup, donc de sepsis tout court. Donc on nous appelle pour n'importe quelle détresse, qu'elle soit respiratoire, neurologique ou la circulatoire. Sinon, on vous appelle Mindec du PU et les jouets dans tout ça. Ouais, on nous appelle Mindec du PU, on nous appelle très souvent du PU. Très très souvent du PU. Une fois, mais chez deux fois. On nous appelle très souvent du PU et parfois pour de faux malades, la phrase classique qui arrive le réanimateur, c'est qu'on a une suspicion d'arrêt cardiaque. Like that was the most perfect thing I've heard de mes années résidence, c'est suspicion d'arrêt cardiaque. Parce que bon, voilà, on va qui le bonjour monsieur, le bonjour. Mais en gros, oui, on nous appelle BZF du pays. Alors les jouets, ouais, bon, les jouets, BZF. Qu'il y a tous les outils de monitorage, qu'il y a l'échographie, qu'il y a le matériel d'intubation difficile, le vidéolaryngoscope. On a énormément de matériel à utiliser pour augmenter notre sécurité au bloc opératoire. Après, les jouets en réanimation, il y en a beaucoup moins. Il y a maintenant l'ECMO, maintenant l'hémodiafiltration, maintenant l'hémodialyse, maintenant pas mal de choses qui pourraient peut-être sauver une grande partie des patients. Pour terme démissionner, that's a good question. Peut-être l'anesthésie complètement, mais le cursus avec Nahar Balek démissionner parce que j'aime pas travailler en réa. Farhouni, résident, je fais des gardes de 12 heures ou de 24 heures. J'ai fait une garde chaque 4 là en internat, give me hope. Ben non, tu feras des gardes de 24 heures, sauf certains terrains. La garde, en fait, d'abord service ça se bat, tu la garde ou le lendemain, tu Au cours, quoi, il reste un mois et genre 6 jours. Qui m'a calé comme Ayoub, en fait. Maintenant, c'est QTM, maintenant c'est ce que vous aimez appeler la dernière couche, moi ce que j'aime appeler la couche de consolidation. Vous devez revoir les points que vous ne maîtrisez pas, vous devez consolider les points que vous maîtrisez, vous faire énormément de QCM. Le plus d'Hero, c'est pas suffisant, vous devez revoir les sujets d'externat. Voilà, mais surtout, ce que je donne comme conseil d'habitude,
C'est à quel moment, à tout moment, à tout moment, tu te poses la question. لو كان غدو نجوز, quelles seraient les questions? لو كان يطيحولي, je suis pas à l'aise. Là, je me suis posé cette question, كل شهر, et à chaque fois, j'essayais de combler les lacunes les كانوا عندي. Jusqu'à la dernière semaine, il y avait encore des réponses à cette question. لو كان نجوز غدوة, وش هما les questions, les mêmes كنش à l'aise ferme. Donc, un jour, il y a des cours où, tiens, je suis pas très à l'aise sur la conduite à tenir, ou là, tiens, je suis pas très à l'aise sur la physiopathe, je préfère la revoir rapidement, une petite lecture, à quand moi, je peux combler les lacunes, les problèmes, et toujours énormément de QCM.